Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Tu peux venir saluer ton frère de gauche et de droite. Est-ce que tu peux venir saluer ton frère ou ta sœur, celui qui est à gauche et à droite? Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Oulala, trop faible. Dis-le-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu peux lui dire encore, tu as bien fait d'être là ce soir. Alors nous saluons nos bien-aimés, c'est-à-dire à cause de la place. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la salle annexe, qui nous regardent par l'écran. Que Dieu vous bénisse. Sachez que même si vous êtes dans la salle annexe, l'onction de Dieu est également là. Amen. Tout à l'heure, quand nous allons prier, nous allons nous occuper de vous tous. Et nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ils sont nombreux. Tout à l'heure, j'étais connecté, je voyais toutes les connexions. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Vous suivez ce programme de veiller avec nous. Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, quelque chose va se passer. Tu peux lui dire encore, quelque chose va se passer. Donc, regarde-lui et parle-lui avec assurance. Dis-lui quelque chose. Enfin, je voudrais juste te dire que tu n'es pas venu en vain. Tu n'as pas coupé ton sommeil en vain. Tu n'as pas quitté tes occupations en vain. Non, jamais. Personne ne rentrera tel qu'il est venu. Ah, ça, je ne sais pas, mais moi, je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. Je suis venu avec une détermination. Je suis venu avec, comme on dit en anglais, an expectation. Je m'attends à quelque chose. Et il vous sera fait selon votre attente, votre soif, ce que vous attendez de Dieu, ce que vous voulez que Dieu puisse faire pour vous. Alors nous sommes dans la veillée, notre veillée de puissance. Nous organisons au moins trois grandes veillées, mis à part la nuit d'action des grâces, la nuit de traversée, 31 décembre. Trois veillées sur toute l'année, pratiquement, où nous voulons prendre le temps de glorifier Dieu, de prêcher la parole de Dieu et de prier pour les cas. Et à chaque fois que nous nous retrouvons, en tout cas, Dieu démontre sa puissance, il se glorifie en tout cas. Il y a beaucoup de vies qui sont touchées, beaucoup de cœurs qui sont transformés, des âmes qui sont renouvelées et nous rendons grâce à notre Dieu. Et la toute dernière veillée que nous avons tenue ici, j'étais absent, c'était avec l'apôtre Ghislain. J'ai eu des témoignages de ce que Dieu avait accompli. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre thème, le thème que Dieu a déposé dans mon cœur pour ce soir, s'intitule « Comment enfanter son miracle ?» Comment enfanter son miracle? Et à ton voisin, dis-lui, comment enfanter ton miracle? Ok, je crois que ce voisin-là, il n'est pas trop gentil avec toi. Tourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui, comment enfanter ton miracle? Voilà, c'est mieux. Nous allons lire trois textes dans les Écritures. Le premier se trouve dans le livre de Ésaïe, au chapitre 66, le verset 7 à 9. C'est notre texte de base de cette année. Ésaïe, chapitre 66, le verset 7 au verset 9. C'est notre premier texte. Il est écrit ceci. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays
peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, le verset 1er. Ésaïe 54, le verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, et fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Et notre dernier texte, c'est dans le livre de Marc au chapitre 16. Marc 16, le verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Comment enfanter son miracle? Comment enfanter son miracle? Cette année, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau pour l'Église, corps du Christ, bien sûr, et pour notre Église en particulier. Il m'a donné le thème de l'enfantement. J'étais dans un long moment de jeûne et prière, et pendant que je priais, je ressentais des douleurs, et Dieu me disait, je vous ai donné beaucoup de choses, je vous ai promis beaucoup de choses. Maintenant, le temps arrive où ces choses doivent arriver à la manifestation. Et c'est ça même qu'on appelle l'enfantement. Le fait d'accoucher. Le fait de rendre visible. Le fait de palper, de toucher ce que Dieu nous a promis. Car les promesses sont spirituelles. Mais lorsqu'on accouche de ces promesses, elles deviennent matérielles, visible, palpable. En réalité, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, attendez-vous à plusieurs choses cette année-ci. Attendons-nous à plusieurs surprises. Attendons-nous à plusieurs sollicitations divines. Attendons-nous à quelque niveau que ce soit, ou quelque dimension que ce soit. Attendons-nous. Pourquoi? Parce que le temps de l'enfantement ou encore l'heure pour l'enfantement a sonné. Alors, Ésaïe 54, le verset que nous avons lu, le deuxième texte que nous avons pris, il est question d'Israël. On nous dit, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, et fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les filles de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Ici, le Seigneur s'adresse à son peuple Israël par le canal de son serviteur, le prophète Ésaïe, un prophète messianique, un prophète puissant, un prophète dont la révélation était si précise et qui a annoncé des choses concernant le Messie. Voilà pourquoi on l'appelle même le prophète messianique. Il a annoncé des choses 8 siècles avant Jésus-Christ.
des choses qui concernaient le Messie et des choses qui concernaient le royaume à venir qu'on appelle le royaume davidique ou le royaume messianique qui devait s'installer, qui doit plutôt s'installer sur cette terre pendant le millénium. Et Dieu s'est chargé de lui révéler ces choses avec une telle exactitude. Et il va parler ici de l'état de son peuple. Et quand je parle d'Israël, je parlerai du peuple de Dieu. Je parlerai de toi et de moi. Quand on parle d'Israël, on voit le peuple de Dieu. Quand on parle du peuple de Dieu, on voit ceux-là qui sont mis à part par Dieu pour lui appartenir. En effet, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes une race à part. Nous sommes un peuple acquis, un peuple choisi, un peuple béni, un peuple que Dieu se réservait, un peuple que Dieu chérit, un peuple que Dieu protège, un peuple qui est censé manifester la gloire de Dieu. Et voici que cette nation d'Israël va en fait se retrouver dans une phase de stérilité. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi Ésaïe parle-t-il d'Israël ou encore du peuple de Dieu comme étant une femme stérile? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu peut-il permettre à ce que nous soyons stériles? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et en scrutant les Écritures, je me suis rendu compte qu'il s'adressait vraiment à son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple était dans une situation de stérilité. Il était dans une situation où il avait quasiment tout perdu. Selon l'histoire, il y avait l'invasion babylonienne. Selon l'histoire, il y a eu la déportation de plusieurs parmi les enfants d'Israël de leur pays jusqu'à Babylone. Cette déportation les a coupés de leurs racines, les a coupés de leurs sources, et les a coupés de leurs ressources, qui est Dieu lui-même. Et cela a emmené la captivité. Ils sont devenus captifs, en d'autres termes, esclaves, prisonniers. Un peuple qui est censé vivre dans la liberté se retrouve aujourd'hui prisonnier, comme c'est le cas de beaucoup parmi nous aujourd'hui. Nous sommes censés être libres. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais nous nous retrouvons malheureusement sous le joug de l'esclavage. Nous nous retrouvons sous le poids de la condamnation. Nous nous retrouvons liés, ligotés, enchaînés sous le poids d'un tyran qui est le diable. Et voici, ce peuple se retrouve en captivité. Et cette captivité amène quoi? Le désarroi. Cette captivité amène quoi? La captivité amène la souffrance. Cette captivité amène la désolation, la destruction. Et le peuple se retrouve dans un état que Dieu appelle de stérilité. Regarde ton voisin, pose-lui la question, es-tu stérile? Regarde-lui en face, pose-lui la question, es-tu stérile? Alléluia. Donc Israël est comparé à cette femme que le prophète pointe en disant, réjouis-toi stérile. Donc elle s'est retrouvée dans une situation de stérilité. Alors, mais qu'est-ce que c'est la stérilité? Qu'est-ce que Dieu entend par stérilité? Suivez bien, hein? Nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, Dieu dit, ça doit changer. Amen. La stérilité était une forme de malédiction. Quand on parle de stérilité, on voit la malédiction. C'était pas Dieu, quand il a créé l'homme, il les a bénis en disant soyez féconds. Donc le contraire de la fécondité, c'était la stérilité. La stérilité, c'est cette incapacité de pouvoir d'un être humain de pouvoir se reproduire ou encore de procréer. Quand on dit que tu es stérile, cela veut dire que tu es dans l'incapacité de pouvoir te reproduire. Tu es dans l'incapacité de pouvoir procréer. Tu es dans l'incapacité de pouvoir donner des fruits et en jouir. Quand on dit que quelqu'un est stérile, en Israël en général,
Malheureusement, la stérilité était liée aux femmes. On parle d'une femme qui n'a point d'enfant, ou encore une femme qui est privée de ses enfants. C'était ça que la Bible appelle la stérilité. Alléluia. Et ma définition, j'ai noté une définition dans le mot hébreu de la stérilité. Dans la stérilité, nous voyons l'infertilité. Dans la stérilité, nous voyons le contraire d'être fécond, productif. Et tu vas voir que quelque part dans ta vie, il y a des domaines où tu n'es pas productif. Ça n'avance pas. Il y a comme des chaînes. Tu es attaché, tu es lié, ligoté. Quelqu'un a dit, comme un chien qui est attaché avec une laisse. À un moment donné, son maître peut lâcher un peu. Il peut partir jusqu'à un certain niveau. Et selon la volonté de son maître, s'il veut le ramener vers lui, eh bien, il n'a qu'à appuyer sur le bouton et puis le chien retourne à la case de départ. Beaucoup de personnes, elles font 5 pas en avant. Elles en font 10 en arrière. Et pourtant, elles prient. Et pourtant, elles cherchent Dieu. Elles sont dans l'église, elles servent le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quelque part. Il y a un problème de stérilité quelque part. La stérilité était un frein ou est un frein à la croissance. Si vous êtes stérile, vous ne pouvez jamais connaître la croissance. Vous ne pouvez jamais connaître l'avancement. La stérilité égale les blocages. Qui sent qu'il y a des domaines dans sa vie où il y a des blocages? Il y a un peu de blocage. Alléluia. La stérilité représente les limites qui te sont imposées en dehors de ta volonté. Tu vas aller plus loin, mais tu sens comme une force qui te retient, incapable d'avancer, incapable de progresser, incapable de s'étendre, incapable d'évoluer, incapable de gagner de l'espace. Tu te sens restreint. Tu sens comme si tu étais tu étais enfermé, emprisonné. Il y en a même, ils vivent ici, mais tous leurs songes, leurs rêves, ils se voient aux Antilles. Du 1er janvier au 31 décembre, tous tes rêves, tu es aux Antilles. Il y a un problème quelque part. Dormez pas. Amen. Toi, tu vis à Paris. Tu n'as jamais eu un rêve où tu te retrouvais à la Tour Eiffel. Tous les jours, tu te retrouves à Gagnoas. Gagnoas, c'est en Côte d'Ivoire. Tu te retrouves à Bandundu. Pire encore, Nganadjik. Le village. Et tu ne comprends pas. Fais avec moi. Aujourd'hui, tu dois commencer à rêver à Paris. Tu vis à Paris, tu dois manger à Paris, tu dois faire des courses à Paris. Toi, tes courses, c'est toujours au bled. Tu es stérile. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La stérilité, c'est aussi été considéré comme un manque. Quelqu'un qui est stérile, on dit que la personne un manque, il y a un vide. C'est un manquement, une injonction divine. La stérilité, c'est l'absence de posséder. Regarde bien, il y a des choses que tu ne possèdes pas. Tu le mérites, les gens te doivent. Mais c'est comme si c'est bloqué, tu n'arrives pas à posséder. Et je dis à Dieu, cette année, nous n'allons pas faire des slogans. Beaucoup de chrétiens font des slogans. Je suis la tête et non la queue. Et quand tu regardes leur vie, ce sont les queues qui parlent. Je suis en haut et non en bas. Quand on te regarde. Non, tu es pire qu'en bas. Ta vie, c'est la descente aux enfers. Et tu te dis, mais où est Dieu? Tu ne possèdes pas. Regarde-toi. Tu es là. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, mais tu manques la joie.
Tu manques la paix, bien aimé. Tu peux avoir l'argent et manquer la joie. Je préfère avoir la joie qu'avoir l'argent. Ah oui, je préfère avoir la paix. Vous savez, il y a des gens qui ne dorment pas. Toutes les nuits, ils doivent aller faire des sacrifices. Ou encore, ils ont des visitations des serpents, des crocodiles, des lions. Toutes les nuits, à une heure précise. Oh, toi qui dors la nuit, vraiment, réjouis-toi. Oh, je bénis Dieu parce que tu dors quand même. Tu dors et tu te réveilles. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ah, je vous dis la vérité. Tous les hommes un peu bizarres, là, foufous, là. Les riches, les hommes politiques. Quand vous êtes autour d'eux, vous allez voir que c'est les gens les plus malheureux, pour la plupart. Parce qu'à cause des pactes, à cause des alliances, ils doivent faire des choses. Laissez-moi circuler aujourd'hui. Hein. Comme ça, je surveille que tu ne dors pas. Parce qu'aujourd'hui, tu dois te réjouir stérile. Regarde ton voisin, dis-lui, réjouis-toi stérile. Alléluia! Manque de paix, manque d'assurance, toujours avoir peur, manque de bonheur, manque de vie. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je n'ai plus le goût de vivre. Tout ce que j'ai envie, c'est de mourir. Alors que elle peut encore vivre, elle est jeune. Quand la stérilité vous touche, c'est grave. Vous pouvez manquer de tout. Et la stérilité a toujours été une grande source de souffrance. Quelqu'un qui est stérile, vous le voyez, elle souffre. Cette personne souffre. C'est une souffrance morale. Une souffrance qui pèse à votre conscience. Vous ne savez peut-être pas à qui vous tournez pour vous exprimer, mais au-dedans de vous, ça brûle. Et en Israël, selon l'histoire, lorsqu'une femme se mariait et après 10 ans de mariage, il n'avait pas d'enfant, elle pouvait même se suicider. Pourquoi? Parce que la stérilité était considérée comme la pire de souffrance, la pire de punition, et voire la pire de honte, d'opprobre. Pourquoi? Avoir une femme stérile, c'est en gros épouser un objet. Ça, dans la mentalité juive. Imaginez un peu. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 30, prenez avec moi Genèse, chapitre 30, le verset 1er, on nous donne un cas ici, de Rachel. On nous dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Vous allez trouver Genèse 30, verset 1. Lisez avec moi. Lisez dans vos livres, avec moi. Il a dit ceci. Rachel, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, en d'autres termes, elle était stérile, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Pourquoi elle dira, donne-moi des enfants ou je meurs? Parce que la stérilité était le pire de problème qu'une personne devait affronter, pouvait affronter. La stérilité de Rachel a amené le désespoir. Frère, sœur, dans quelle situation te trouves-tu? Dans ton état actuel, est-ce que tu vis un désespoir? Tu as l'impression que les choses ne vont jamais s'arranger? Tu penses que Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie, dans ta situation? Eh bien, j'ai une réponse pour toi. Ce que Dieu m'a dit pendant que je priais. Il dit aujourd'hui. Oh, dis avec moi aujourd'hui. Tu ne sortiras pas. J'ai dit aujourd'hui. Dis encore aujourd'hui. Tu vas enfanter ton miracle. Alléluia. Quand le sommeil te menace, donne-toi toi-même des gifles comme ça. Nous sortons de 21 jours de jeûne et prière. Ça n'était pas évident, mais Dieu nous a soutenus et nous le rendons grâce. Amen, 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 amen. Et avoir des enfants était le signe de la fidélité de Dieu
est le signe de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu bénissait une maison, il donnait à cette maison des enfants. C'est pour ça que je déclare, avant même de progresser, personne, si tu as été stérile, je déclare à partir de ce soir, la puissance de Dieu va pénétrer tes entrailles. Toi-même, tu vas commencer déjà tout à l'heure à demander, tu veux quoi? Est-ce que tu veux des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés, des six, c'est quoi? Au nom de Jésus, tu vas enfanter. Oh, si c'est ta parole, tu dis amen, je reçois l'enfant de ton ventre. Alléluia. Parce que quand tu es stérile, après 2-3 ans de mariage, c'est même la belle famille qui va demander, et alors? Alors quoi? Alors? Alors quoi? Dis, c'est en route. Oh, je dis, quand tu vas sortir ici, quand on te pose la question, dis, c'est en train de venir. Alors, je vais encore t'aider. En sortant d'ici, commence déjà à faire la lettre. Commence déjà à chercher, si tu veux une fille, commence déjà à acheter des habits de couleur rose. Non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Réjouis-toi. Stérile. Oh my God. Il y a l'onction de Dieu ce soir, mais c'est grave. Alors je vous dis, hein, si vous êtes sensible, vous pouvez sentir, c'est dans l'atmosphère. Il y a la gloire de Dieu. Wonderful Jesus. Si le bébé pouvait entrer comme ça, comme avec Marie, par la puissance du Saint-Esprit, je crois qu'à l'instant même, là, il serait déjà rentré. Mais bon, ça c'était réservé seulement pour Jésus. Toi, il faut être marié et puis, bon voilà, aller un peu avec ton mari. Alléluia. Autre chose, la stérilité était considérée comme une conséquence d'un péché. Voilà pourquoi Dieu, pour frapper quelqu'un qui avait péché, il pouvait rendre cette personne-là stérile. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous amener quelque part. Ok? Comment enfanter son miracle? C'est ça notre thème. D'accord? Bien. Mais tu dois d'abord comprendre. Tu ne peux pas enfanter si tu es stérile. Donc tu comprends d'abord d'où viennent les choses avant de t'amener vers la solution. Parce qu'après, il y aura la solution. Nous allons sortir d'ici avec des solutions. Oui, je t'assure, au nom de Jésus, tu sortiras avec la solution. Exode chapitre 23, verset 24. Exode 23, verset 24. La Bible dit ceci. Il n'y aura pas dans ton pays. Exode chapitre 23, verset 24. Il a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est Dieu qui dit, dans ton pays, c'est-à-dire dans ton territoire, dans ta patrie, au milieu de ton peuple, enfant de Dieu, tel que nous sommes, Dieu dit, il n'y aura point au milieu de toi des femmes qui avortent. En avortement là, je vois quoi? Je vois pas seulement la IVG, l'interruption volontaire des grossesses, mais je vois aussi la fausse couche. Car il y a des femmes qui peuvent recevoir des enfants, mais qui n'arrivent pas à garder la grossesse et qui perdent la grossesse. Et si c'était ton cas, c'était le cas de ta vie, ce soir, cela s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien, hein, parce que pendant l'enseignement, le Saint-Esprit risque de tomber sur les gens. Hein, pendant la parole de Dieu. Donc, n'attends pas le temps de prière. Alléluia. Et dit, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Donc la stérilité était considérée comme justement un châtiment par rapport au péché. Et quand le péché ne devait pas rester au milieu des enfants de Dieu, je dis qu'il n'y aura pas de femme stérile. Et je déclare dans la vie de quelqu'un qui est stérile ici, la stérilité prend fin au nom de Jésus. Amen. Et cette femme stérile, Israël, était abandonnée.
délaissé dans le malheur à cause du péché. Dieu l'a abandonné. Dieu en gros l'a rejeté. Dieu l'a livré entre les mains de ses bourreaux, de ses ennemis. Pourquoi? Parce que Israël s'était détourné de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il est rentré dans une phase de souffrance, dans une phase d'improductivité, dans une phase où elle ne pouvait plus, cette femme qui est Israël, peuple de Dieu, comme ça peut être ton cas, être productif. Tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Tu es venu vivre la vie de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu, en fait, lorsqu'on est stérile, cela peut nous rendre inutile. Parce que, autre chose en Israël, lorsqu'on était stérile, en gros, on était inutile. Inutile. Des fois, on a la sensation ou le sentiment de ne pas être utile. Comme si, pour Dieu, on n'est pas utile. Pour les hommes, on n'est pas utile. Même pour soi-même, on n'est pas utile. Parce que sa vie, tu n'es pas content de la vie que tu mènes. Si je pose la question à beaucoup de personnes ici, combien sont contents de leur vie? Vous allez voir, très peu de mains vont se lever. Pourquoi? Parce que, personnellement, j'ai longtemps vécu une vie qui ne me ressemblait pas. Je disais non! Et aujourd'hui, tu dois dire non à la vie qui ne te ressemble pas. Ta vie a de la valeur. Ta vie doit avoir de l'importance, et pour Dieu, et pour toi-même, et pour les autres. Et il y a une autre forme de stérilité que la Bible présente, c'est la stérilité spirituelle. Le manque de productivité des fruits dignes de Dieu. Combien de chrétiens vont dans les églises, année après année, écoutant la parole de Dieu, tombant sous l'onction, priant, jeûnant, partageant la parole de Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, stérile, pas de fruits. Ou on peut même se dire, les païens sont mieux que soi-disant ces chrétiens-là. Et les chrétiens stériles qui ne produisent pas de fruits. Jésus dit, si vous êtes mes disciples, alors vous devez porter beaucoup de fruits. Des fruits de Dieu. Amen. Deuxième chose que j'aimerais voir avec nous. Les origines de la stérilité. Selon la Bible, la première origine de la stérilité, c'est le péché. Dis avec moi le péché. Le péché, c'est la révolte contre Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu qui ouvre la porte à Satan, c'est-à-dire au démon. Beaucoup parmi les gens, les hommes, je dirais, à cause de leur péché, de leur pratique, ils ont ouvert des portes à la stérilité. Je donne un exemple. Lorsque tu es jeune fille, vous savez, avec le système de ce monde aujourd'hui, quand on est jeune, on pense que tout est permis. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je suis jeune. Alors comme je suis jeune, tous les samedis, le vendredi soir, je veux me la péter, comme on dit. Je veux me la jouer. Je veux m'éclater. On va mettre en toi une bombe et puis tu vas exploser. Et te voilà, tous les vendredis. Maquillage, beauté. Tu mets des... Voilà. Tu vois, non? Tu mets de... Voilà. Un peu de fond d'éteint. Attention, il ne faut pas que la pluie tombe sur toi parce que tu risques de partir. Et puis, tu t'habilles classe, quoi. Tu vas chez Mango, tu vas chez Zara, tu vas chez... comment tu vas là? H&M, Asso, hein? Asso.
Astros Association. Ok. Ok. Tu as acheté le dernier cri. C'est qu'il y a la mort. Et puis samedi soir, ça va, Angélique? Oui, ça va, Pauline. On se rencontre où? Aux Champs-Élysées, à Paris, pas de nuit. Et puis là, tu vas. Je sais pas comment les... On dit, tu dingues. Tu marches d'une certaine manière. Et puis attention, tu deviens une allumeuse. Quand tu vois un mec qui passe. Écoutez bien. Et puis tu te retrouves, premier week-end, dans les bras de Jean-Claude. Il n'y a pas Jean-Claude ici. Hein. Ah, pardon. Premier week-end, dans les bras de Albert. Deuxième week-end, dans les bras de Gaylord. Troisième week-end, dans les bras de... Pichou. Quatrième week-end, dans les bras de... Hein? Roger. Il n'y a pas de Roger, hein? Ok. Amen. Tu fais n'importe quoi. Et tu te rends compte que tu tombes enceinte et tu vas avorter. Parce qu'aujourd'hui, c'est autorisé, voire encouragé. Il y a même des pilules. Facilement, ça part. Ok, tu passes toute ta vie comme ça. 15 ans, 10 ans, tu ne fais qu'avorter, avorter, avorter. La conséquence, tu deviens stérile. Après, tu dis, ah, Dieu m'a abandonné. Menteur, menteuse. Tu as commis des péchés, ils t'ont rendu stérile. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette stérilité nous parle aussi d'une sécheresse. Lorsque vous péchez, il y a la sécheresse qui s'attache à votre vie. D'accord? Les choses n'évoluent pas. Tu es intelligent, mais trop de blocages. Tu es brillant, pas de travail. Tu reçois des opportunités, mais tu n'arrives pas à les saisir. Ta vie tourne en rond. Pourquoi? Le péché. Et le péché rend les hommes stériles. Il y a des péchés visibles et des péchés cachés. Et des fois, on ne comprend pas. Pourquoi ma vie n'avance pas? Regarde-toi. Est-ce qu'il n'y a pas un péché caché? Une fois, je priais pour une jeune sœur, récemment. Et pendant qu'elle me parle de son cas, elle me dit des choses, mais elle ne me dit pas tout. Au moment où j'ai voulu prier, le Saint-Esprit me dit, dis-lui, elle a un petit copain. Il dit, tu as un petit copain? Elle dit, oui, pasteur. Je dis, mais tu veux que je prie pour toi, pourquoi? Parce que si je prie pour toi, les démons partent. Quand tu vas commettre l'impudicité, ils vont revenir cette fois. Donc je ne prie pas pour toi. Au revoir. Elle s'est fâchée. Et je préfère que tu te fâches. Il ne me fatigue pas. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend? Hein? Non, 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 non. Regarde ton voisin. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Et c'est ça un des problèmes. On ne comprend pas. On est dans l'église. On prêche la même parole. Pourquoi les uns évoluent? D'autres n'évoluent pas. Il y a plusieurs raisons. Mais la première raison majeure que je suis en train d'évoquer, c'est le problème de péché. Ton péché t'atteindra, ton péché te tuera. Et la stérilité de beaucoup de personnes vient de là. Et les démons, ils ne quittent jamais le corps. Où il y a des délivrances, ils durent 3 ans, 5 ans. Il y a un problème quelque part. C'est que quelque part, il y a un problème de péché qui est nourri. Les démons n'aiment pas la lumière de la sainteté. Lorsque la sainteté, vous vous imprégnez d'une vie de sainteté, les démons sont obligés de quitter votre corps, de quitter votre vie. Ça, c'est la première raison. Mais j'ai une bonne nouvelle. Même pour ceux qui ont péché,
Pour toi qui peux te dire, non, je suis condamné, j'ai fait du mal, voilà pourquoi je suis comme ça. Sache que Dieu est un Dieu de pardon. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as péché, sache que Dieu est capable de pardonner. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Et la Bible dit que ce sang, ce fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il dit, si mon péché était comme la cramoisie, il deviendra blanc comme la neige. Oh, je veux dire à quelqu'un, ne sois pas condamné. Que personne ne te condamne, ni le diable, ni toi-même. Laisse, confesse tes péchés et laisse la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pénétrer ta vie et tu vivras la vraie dépendance et tu seras désormais fécond. Parce que si nous devions regarder le péché, ni toi ni moi, personne ne serait là. Parce que nous sommes tous nés dans le péché. La grâce du pardon. Dis avec moi le pardon. Oh, dis merci Jésus de ce que tu m'as pardonné. Deuxième raison. Quelqu'un a dit, le pardon que Dieu nous accorde remet le compteur à zéro. Même si au-dedans de toi tout était bousillé, tout était détruit, la puissance de Dieu va tout régénérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue, pour moi ma vie est finie. Je ne peux plus évoluer, je ne peux plus avancer. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que soit ce qui s'est passé? La puissance de Dieu, par le pardon, est capable de te libérer. Même si dans ta famille, on dit qu'il y avait des liens familiaux, nous sommes tous attachés, impossible de sortir. Laisse-moi te dire, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est capable de te libérer, de t'affranchir, afin que ta situation de stérilité change. La Bible déclare Jésus à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ce soir, je plante la croix. C'est-à-dire là où les sorciers avaient élu domicile. Oh non, ton corps m'appartient. Ta vie m'appartient. Tu ne vas pas avancer. Aujourd'hui, je suis venu te dire, c'est la fin de ce règne. Parce que la croix de Jésus nous parle de ce que Christ a accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tête les stades. Oh, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont Jésus. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la loi de la mort. Qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je suis venu te dire, il y a un espoir. Même si on t'avait dit, tu avais trop péché. Il y a un espoir. La croix de Jésus. C'est pourquoi ne condamnez jamais les gens. Il n'y a que le diable qui a le ministère de condamnation. Ou encore le ministère d'accusateur. Quand il accuse, Jésus vient comme un avocat, il présente ses mains. Et il regarde. Mes mains ont été clouées, percées à cause de lui. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Oh oui, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Que personne ne te condamne. Ma soeur, mon frère, que personne ne te condamne. Laisse-moi te dire, même si tu as péché ce matin, quand tu demandes pardon à Dieu, il oublie. Il y a des hommes qui peuvent te dire, mais il vient encore de pécher. Dieu dit, j'ai oublié. Quand Dieu pardonne, il oublie. Et là, ton voisin dit, quand Dieu te pardonne, il t'oublie, il oublie.
Mais l'homme est capable de te rappeler le péché que tu as commis en 1980. Souviens-toi en 1980. Surtout dans le couple, quand les couples se battent. Souviens-toi, il y a 5 ans, tu m'avais fait ça. Le pardon. Dis le pardon. Guéris les blessures du passé. Deuxième cause, la stérilité. C'est étonnant, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même peut permettre la stérilité. C'est bizarre. Pourquoi? Pour qu'il se glorifie à la fin. Qui a trouvé ça vocal? Donc Dieu peut permettre que ta vie soit bloquée. Toi, tu penses que ce sont les démons, mais c'est Dieu. C'est pourquoi si tu n'es pas dans un péché et que les choses n'avancent pas, bénis seulement le Seigneur. Parce que je veux te dire, il y a une bonne récompense qui t'attend. Genèse chapitre 16, verset 2. Genèse chapitre 16, verset 2, la Bible dit, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Oh, ma stérilité a comme origine Dieu. L'Éternel m'a rendu stérile. Dieu était à la base de la stérilité de Sarai. Ce n'était pas un hasard. Et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu permet, c'est pour un but. Pour te former, te tailler, te préparer à de l'élévation. Oh, je vois quelqu'un ici qui est stérile, mais c'est son élévation qui est en train de crocher. Ah, je vois quelqu'un ici dont la vie semble un peu comme bloquée, mais Dieu est en train de préparer un grand témoignage. Ah, je vois quelqu'un dont la vie semble comme tourner en rond, mais Dieu est en train de le préparer pour une vie à une grande vitesse. Oh, tu connaîtras la grande vitesse au nom de Jésus. Genèse chapitre 29, verset 31. La Bible dit ceci, Genèse 29, verset 31. Il est dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Tandis que Rachel était stérile. Donc la stérilité de Rachel était provoquée par Dieu parce que Dieu avait vu dans le cœur de Jacob qu'il aimait plus Rachel que Léa. Et bizarrement, à l'époque, lorsque, parce qu'à l'époque la polygamie était quand même autorisée, plus aujourd'hui, mais à l'époque quand un homme pouvait avoir 2 femmes, s'il aimait une femme plus que l'autre, c'est la femme qui était mal aimée que Dieu permettait qu'elle puisse être. Et celle qu'on aimait, Dieu permettait qu'elle ne soit pas féconde ou qu'elle soit stérile pendant un temps. Mais c'est pour une bonne cause. C'était à l'époque pour une bonne cause. Alors, ce soir, je ne sais pas dans quelle stérilité tu te retrouves. Dans quelle dimension où tu constates qu'il y a la stérilité? Est-ce dans tes études? Tu vas à l'école mais tu n'arrives pas à retenir les leçons. Tu n'arrives pas à exceller. Tu n'arrives pas à réussir. Tu travailles mais tu n'arrives jamais à épargner. Tout ce que tu gagnes, tu le perds. À peine tu as de l'argent, à peine les problèmes surviennent, à peine tout est parti. Il y a des personnes comme ça. Elles peuvent gagner 5000 euros. Vous venez le vendre, vous lui dites, donne-moi juste 100 euros. Eh bien, je ne peux rien. Tu me m'as découvert. Pourquoi? Quand ils reçoivent quelque chose, tout part. C'est une forme de stérilité, une pauvreté qui est dans tes mains. La stérilité se trouve à quel niveau de ta vie? Est-ce au niveau de ta santé? Tu fais tout, mais ta santé est toujours touchée. Il y a des gens qui savent que à partir de tel mois de l'année, je vais tomber malade. J'ai une soeur comme ça, à Lyon, qui m'a dit, apôtre, moi tout le mois de novembre, je le sais, je suis à l'hôpital. Bon, comment ça? Il dit, tout le mois de novembre. Donc on est déjà en octobre, je me prépare déjà. Quand novembre arrive, je commence déjà à me préparer. Et quand novembre arrive, bizarrement, une maladie vient, je vais à l'hôpital. Mais c'est une stérilité. Et Dieu va arrêter ça aujourd'hui. Oh, les maladies chroniques, Dieu va arrêter ça aujourd'hui.
au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, Dieu va arrêter ça aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Ah, dis avec moi aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Des problèmes de blocage. Qui n'avance pas sur le plan administratif. Blocage, complications. Bien aimé, ta résidence en France ne dépend pas d'un parti politique. Amen. Et tu commences à inventer des histoires. Toi, l'une des personnes ne t'a jamais connu. Vraiment, hein? Amen. Non, je suis en France parce que le parti de gauche me poursuivait. Je suis allé dans la forêt, on m'a attrapé, on m'a mis en prison. Tu as monté une histoire de toutes pièces. Maintenant, tu as renversé la donne. Et maintenant, tu te fâches. Tu te fâches pour quoi? Ok, je ne m'adresse pas à vous, hein, à ceux-là qui m'entendent. Amen. Blocage. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le blocage tombe. Amen. La France pour toi n'est pas une terre d'asile. La France pour toi, toi qui es étranger, est une terre de mission. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Il y a beaucoup de Français qui sont dans des villages là-bas, qui souffrent, qui ont besoin, qui crient, venez de nous. Et toi tu viens ici, tu quémandes. Bien-aimé, tu es ici, c'est pas un hasard. Et tout à l'heure, on va prier. Il y en a qui vont te régulariser en cascade. Au nom de Jésus. Ta situation doit être réglée. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il va avoir des blocages. Touche-le, dis-lui, il va avoir des blocages. Il va avoir des blocages. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cet esprit qui te bloquait, Jésus-Christ va le bloquer aujourd'hui. Amen. Jésus bloque l'esprit de blocage. C'est-à-dire qu'il va te libérer de l'esprit de blocage. Oh, je vois quelqu'un qui sort de ce lieu libre. Oh, mariage bloqué, c'est fini, déblocage. Tu vas commencer à te marier maintenant. Tu vas te marier maintenant, au nom de Jésus. Oh, pasteur, moi quand le fiancé vient, le fiancé ne traîne pas. Il fait seulement 6 mois, il abandonne, il va chercher quelqu'un d'autre. Maintenant, le fiancé qui va venir, c'est toi jusqu'à la fin. Oh, les fiançailles à courte durée. C'est l'aîné des fiançailles. Finis ça. Ton fiancé, ça sera jusqu'au mariage. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis même ta fiancée, ça sera jusqu'au mariage. Pas non, fiancé aujourd'hui, demain après non. C'est plus la volonté de Dieu. Et puis je change, Nicolette. Ah non, Nicolette, c'est plus la volonté de Dieu. Oh non, Sophie. Oh non, Sophie, c'est maintenant. C'est fini ça. En train de rentrer là, voilà, c'est une bonne chose. Je dis fini. Oh la vie, tu tournes en rond comme ça, fini. Tu dois te stabiliser aujourd'hui. Mais dans ton personne, c'est l'instabilité. Il ne sait pas ce qu'il veut. Tu veux quoi? Tu veux manger? Non. Tu veux pas manger? Non. Tu veux quoi? Ça doit changer au nom de Jésus. Toutes les stérilités, on va les abattre. Parce que Dieu a dit, réjouis-toi stérile. Tiens avec moi, réjouis-toi stérile. Bien-aimé, c'est un message prophétique que Dieu m'a donné. Je vous dis la vérité. Hein. Peut-être que vous n'allez pas voir la portée, mais aujourd'hui, vous allez voir ce que ça va donner. Dieu me dit, réjouis-toi, stérilité. Et quand tu es dans une position de stérilité, commence déjà à danser. Quand moi, je danse déjà. Tu sais pourquoi? Oh, je vois des milliers d'âmes sauvées. Je danse déjà pourquoi? Parce que je vois notre projet déjà se réaliser. On dit, oh non, stérilité, il manque. Oh, ça, c'est toi. Toi, tu vois la réalité. Mais moi, je vois la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que pour sortir de la stérilité et devenir enceinte, il faut un miracle. Il faut une intervention divine. Israël n'enfante pas tout seul. Non. Dieu dit, mais ta situation est une situation désastreuse. Une situation catastrophique. Qui peut t'aider? Tu n'as personne pour t'aider. David dit, je lève les yeux dans les montagnes. D'où me viendra le secours? Pas de secours. Tu vas vers l'oncle. L'oncle dit, je ne peux pas. Tu vas demander de l'aide à gauche. On dit, on ne peut pas. À droite, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, je vais te dire, nous allons lever les yeux vers le ciel. Et le ciel a de quoi pouvoir changer ma réalité, ma situation. Et regardez,
regardez Isaïe 50, 66. Je suis en train de méditer ça, méditer, reméditer, prier, mais je dis, mais waouh, il y a des trésors. Il y a des trésors. Regardez. À partir du verset 7. Avant d'éprouver des douleurs, elle a enfanté. Ça, c'est pas un miracle, ça. Qui a déjà vu une femme enfanter sans douleur? Ok. Tu vas me dire, oui, apôtre, on met le péridural. Péridural, ça enlève les douleurs. Ça enlève ou ça diminue? Ça diminue. C'est ça, non? Aidez-moi un peu, vous qui êtes dans le corps médical. Ça diminue, hein? Non, je ne parle pas haut. Tu n'as pas encore d'enfant, n'est pas à pas. Je laisse aux gens qui ont les enfants. Ça fait quoi? Ça enlève? Ça enlève ou ça diminue? Donc tu accouches vraiment rien, quoi. Tu sens rien. Tu es sûr. Mais pourquoi toi tu cries la dernière fois? Vous avez vu que le divin avait crié. Alléluia. Non, mais c'est la vérité, c'est ma femme. Amen. Une fois même, pendant qu'elle a couché, c'était compliqué. Je commence, j'ai dit, oh non, ça va aller, ça va passer. Jésus est Seigneur. Elle m'a regardé. J'ai voulu faire le pasteur. Pendant l'accouchement. Bien aimé, il faut savoir avoir des retenues. Il faut être sage. Je n'étais pas sage. Oh, ça va aller, Jésus est Seigneur. Il est au bon chemin. Amen. Israël donne naissance sans douleur. Et ça, c'est un miracle. Comment enfanter son miracle? Ça, c'est notre thème. On avait dit, Dieu, reconnais que dans ton état, tu es stérile. Mais le même Dieu peut produire un miracle. De sortir de la stérilité et faire de toi une personne fertile. Oh, je déclare à toute personne qui est venue ce soir, à partir de ce soir, tu deviens fécond. À partir de ce soir, tu deviens productif. À partir de ce soir, tu deviens, fertile. Au nom de Jésus. Quand j'ai dit ça, n'attends pas seulement avoir beaucoup d'enfants. J'ai dit tout ce que tu vas coucher, fertilité. Dans les affaires, fertilité. Oh. Dans les études, dans les projets, dans les engagements, spirituellement, la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de jeûne, la méditation de la parole, pas de prière flash de 2 minutes. Dans le mariage, fertilité. Dans la famille élargie, fertilité. À part la stérilité. D'ailleurs, on a vu, non, dans 1 Samuel, Dieu dit quoi? La stérile enfant 7 fois. Cela veut dire que Dieu, non seulement il te rend productif, mais va multiplier le fruit de tes entrailles fois 7. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. Il dit, tu seras fécond à l'extrême. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te rends fécond à l'extrême. C'est-à-dire, tu n'es pas fécond à court terme. Tu n'es pas fécond à moyen terme. Mais tu es fécond à long terme. C'est-à-dire, je suis fécond. Mes enfants sont féconds. Les enfants de mes enfants sont féconds. Les enfants de mes enfants sont... Ah, j'arrête le cycle de la malédiction. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu punit la malédiction, le péché, la malédiction. Il envoie la malédiction de père sur les enfants jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. Mais quand il décide de bénir, il ne bénit pas jusqu'à la 4e, mais jusqu'à la 1000e. Ah, est-ce que j'ai un enfant de Dieu ce soir qui peut me dire je suis béni jusqu'à la 1000e génération? Génération après toi, béni. Non, je ne sais pas si tu comprends la portée.
nous sommes de la race des gens bénis. Le problème, ce n'est pas là où je suis né, le problème qui m'a touché. Le problème, ce n'est pas d'où je viens. Parce que les gens peuvent dire, peut-être tu as dit quelque chose de bon de Nazareth. Le problème, ce n'est pas d'où je viens, mais où je vais. Ah, le problème, ce n'est pas qu'est-ce que j'étais hier. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis venu t'annoncer la saison de nouveauté. Ah, je suis venu t'annoncer, même si hier on disait tu avais perdu ta beauté, ce soir Dieu va commencer à te donner une nouvelle peau. Oh, je vois quelqu'un devenir beau, je vois quelqu'un devenir belle. Alors je ne parle pas de la beauté de maquillage, je parle du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il embellit même ta peau. Tu vas rajeunir comme l'aigle. Regardez-moi, vous me donnez quel âge? 18 ans. Frère, je suis jeune. Alléluia. Parce que des fois quand je voyage en Afrique, j'ai des amis de mon âge, même moins jeunes que moi, vous le voyez, tu as vécu comme ça. Il est devenu vieux. Bien-aimé, dans la santé, créativité. Amen. Même avoir de l'argent, fertilité. Ok, tu dis pas amen, mais toujours tu pleures. Parce que mon compte est rouge. Aujourd'hui, c'est fini le découvert. Que Dieu tourne l'aiguille, ça devient le verre maintenant. Toi déjà le 5 du mois, le salaire est passé de 2, le 5. C'est la foi jusqu'à 30. Un juste vivra par la foi. Ça doit changer. Ça doit changer. Vous savez, il y a des colères qui viennent parce qu'on n'a rien. Tu vois, la personne est fâchée, c'est pas comme ça. L'enfant demande, papa, achète-moi un bonbon. Toi aussi, tu m'embêtes. En fait, c'est parce qu'il n'a pas. S'il avait le revenu, non, un bonbon, c'est peu. Je vais te donner même des tablettes de chocolat. Mais tu es capable d'acheter le bonbon. Tu es tout le temps nerveux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas. Ça, c'est fini, ça. Hein? Non, je suis en colère après ta situation. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais je suis en colère. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont des dettes. Et quand tu as des dettes, Tu as des villes où tu ne vas plus. Parce que tu sais que tu as un créancier qui est là-bas. Si je passe par Villeneuve Saint-Georges, peut-être qu'à la gare, il va me retrouver. Donc, au lieu de venir par RRD, tu viens par RRC. Tu contournes. Je suis sérieux, hein? Je suis sérieux. Ou quand on appelle à la maison, chut, dis, papa n'est pas là. Et l'enfant aussi répète, papa a dit, il n'est pas là. Tu vas rembourser tes dettes au nom de Jésus. Oh, je disais, tu vas rembourser tes dettes au nom de Jésus. Tu vas rembourser tes dettes au nom de Jésus. Fini la stérilité. Au nom de Jésus. Nos églises sont stériles. Nous sommes tous là. Courir après ces juifs. Quémandais. Les bâtiments, ça doit finir. Je dis, Dieu, tu dois nous honorer. Tu dois nous honorer. Tu dois faire un miracle. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si c'est pour vous, mais pour moi, je suis révolté. Amen. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il se lève, il dit, on ferme votre local, vous partez. Commencez à errer encore. Où est-ce qu'on va trouver une salle? Il dit ça. Et vous venez, nous sommes propriétaires. Hé, dehors. Bien aimé, je vous dis la vérité. Tout à l'heure, je vous donnais comment enfanter. Là, je suis maintenant en train d'aller dans la phase de miracle, expliquer un peu le miracle. Et je finirai par comment enfanter le miracle. C'est des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on vit. Et en secret, on souffre. Mais des fois, on demande même, où est ce Dieu? Tu ne le dis pas, mais c'est un cri qui sort de ton cœur. Où est ce Dieu? Qui n'agit pas ou qui n'intervient pas dans ma situation. Il m'a dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, il va commencer à intervenir dans ta situation. Bien-aimé, le miracle, l'enfantement. Israël, avant de trouver les douleurs de l'enfantement, chose impossible à accoucher sans douleur. Israël, avant de donner naissance à un fils, n'a pas éprouvé les souffrances. Israël, est né en un jour. Dieu me pose la question,
Un pays peut-il naître en un jour? Et quand vous lisez l'histoire, et quand vous appuyez sur la prophétie d'Ézéchiel 37, cette prophétie s'est littéralement accomplie. Le 14 mai 1948, à l'ONU, l'État d'Israël a reçu son indépendance. En moins d'une heure, chose impossible. Bien aimé, un miracle, c'est quelque chose qui est impossible aux hommes, qui est possible à Dieu. Dieu lui-même reconnaît et dit, en un instant, en un jour, la situation a changé. Tu es venu aujourd'hui, c'est un jour. Nous sommes dans la nuit de 25 au 26 janvier, n'est-ce pas? C'est un jour. Peut-être que tu es venu, tu te dis, oh, peut-être que Dieu doit changer ma situation progressivement. Je ne te parle pas de progressivement, je te parle d'un instant. J'ai dit, tu peux entrer ici tel que tu es venu, mais tu sors différemment. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si j'avais compris, tu allais dire un grand amen. Tu peux entrer ici dans une situation et tu sors d'ici dans une autre situation. J'ai vu Dieu changer la situation. J'ai vu hier, on me dit non. Et le lendemain, on te dit oui. J'ai vu ça. Les miracles existent. En un jour, un pays est né. D'un seul coup, une nation a vu le jour. D'un seul coup, en cause de quoi? En un instant, en un clin d'œil, tout à coup, à l'instant même. Dis avec moi, à l'instant même. Oh, dis avec moi, à l'instant même. J'aime quand Jésus opérait. Quand Jésus opérait, la Bible dit à l'instant même, l'aveugle a retrouvé à la vue. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de vivre à l'instant même. Oh, tout à coup, tu vas vivre de tout à coup. Où le Dieu de miracle va intervenir et dire, ta situation, je la change. Oh, Église sans prescription, je change ta situation en un jour. En une nuit, tu enfantes. En une nuit, tu enfantes. En un jour, tu donnes naissance. En un jour, la solution vient dans ta vie. Le miracle. Et Dieu dit, qui a déjà vu pareille chose? Regarde ton voisin, dis-lui, qui a déjà vu ça? Donc, demande-lui, viens, touche-le un peu, dis-lui, qui a déjà vu ça? Ok, tourne envers l'autre voisin, dis-lui, qui a déjà entendu ça? En fait, la Bible nous parle des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Je ne sais pas ce soir qui aime Dieu, mais moi j'ai un amour passionné pour ce Dieu. Et la Bible dit, je veux vivre des choses que mes yeux n'ont jamais vues. Ah, des choses que mes oreilles n'ont jamais entendues. Des choses que je n'ai jamais pensées dans mon cœur. Des choses nouvelles. Il dit quoi? Je veux faire en ce jour quelque chose de nouveau. Qui a déjà entendu ça? Des miracles possibles. Le miracle est possible. Nous sommes dans un environnement où les gens ne croient plus au miracle. Nous sommes dans un monde où les gens pensent que pour avoir un miracle, il faut aller voir les féticheurs. Pour réussir dans la vie, il faut aller voir, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les cancars, dans ces sciences occultes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller consulter le diable pour recevoir de Dieu. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Là, je sens que le Saint-Esprit veut nous emmener dans une dimension surnaturelle. Ah, je commence à me sentir. Alors ne dors pas. Soit commence à être vraiment sensible parce qu'il y a des choses qui commencent à s'opérer maintenant. Je vous dis en esprit, les choses commencent à s'opérer maintenant. Dis avec moi les miracles. Non, dis avec moi le miracle. Ah non. Dis à autre fois le miracle. Quelqu'un dit, je vois le miracle arriver. J'entends le miracle arriver. En fait, le ciel est déjà ouvert et il y a déjà l'échelle. L'échelle qui est appuyée sur la terre et qui touche au sommet. Et cette échelle, c'est la voie par laquelle Dieu veut déverser les choses du ciel. Les bénédictions du ciel. La délivrance vient du ciel. La guérison vient du ciel. La réponse vient du ciel. La solution vient du ciel.
ciel. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde au ciel. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le ciel ne choue jamais. Le ciel ne rate jamais son cours. Je vois le miracle. Je sens. The miracle. Je parle de miracle. Et qu'est-ce qu'un miracle fait? Un miracle, c'est l'intervention divine. Un miracle, c'est la manifestation visible de la puissance de Dieu. Un miracle, c'est un fait, c'est un résultat étonnant. C'est quelque chose d'extraordinaire qui ne vient pas d'un homme. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Cela veut dire qu'il brandit les lois et les lois établies par la nature. Car la nature dit que c'est impossible. Quand la main de Dieu descend, elle change ce qui était impossible en possible. Le miracle, c'est la voie ouverte aux possibilités illimitées de Dieu. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. En hébreu, miracle veut dire mon fait. Mon fait nous parle d'un signe miraculeux, nous parle des prodiges, nous parle de ce qu'un homme ne peut faire. Il y a des choses que personne ne fera dans ta vie, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur. Mais il y a des choses que Dieu seul peut faire. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je vois le miracle arriver, j'entends le miracle arriver dans ta vie. Je ne parle pas de la vie de ton voisin, parce que mon c'est comment enfanter mon miracle. Ce n'est pas le miracle de ton voisin. C'est pourquoi je ne parle pas à ton voisin qui est en train de dormir, qui passe à côté. Je parle à celui qui est sensible et qui croit, qui dit amen, je reçois. Je parle à quelqu'un qui est sensible, qui dit amen, je reçois. Esprit de Pentecôte. Quand le miracle arrive, tu admires, tu dis non, qui d'autre peut en faire si c'est le Dieu? Le miracle, c'est quelque chose, un événement, oh, une bénédiction qui vient à l'improviste. Au moment où tu n'attends pas, Dieu relâche. Un miracle, c'est quelque chose d'inexplicable. Tu ne peux pas l'expliquer par la loi, la logique humaine. Oh, le miracle brandit la loi de la mathématique et de la physique. Comment pouvez-vous expliquer un homme comme Pierre, sous l'ordre de Jésus, marche sur l'eau? Oh, l'eau devient comme du béton sous les pieds de Pierre.
Le miracle existe, frère. Je dis à quelqu'un, le miracle existe. Je dis, le miracle existe. Oh, Dieu veut susciter en toi la foi. Je dis, le miracle existe. Je dis, le miracle existe. Regarde ton voisin, dis-lui, le miracle existe. Dis-lui, maman, papa, le miracle existe. Touche-la à l'épaule, dis-lui, le miracle existe. Dis-lui, le miracle existe. Oh non, 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 je ne le dis pas en fond. Dis-lui, le miracle existe, le miracle. J'aimerais qu'il sorte ici avec ça. Dis-lui, le miracle existe. Le miracle existe. Bon, ok, ok. Tape-le à la main comme ça. Tape-le à la main. Dis, le miracle existe. Tape-le, 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 tape-le. Dis, le miracle existe. Dis-lui, je vois ton miracle arriver. Tape-le à la main, tape-le à la main. Dis, je vois ton miracle arriver. Oh, oh, ton miracle arrive. Ton miracle arrive. Ton miracle arrive. Ton miracle arrive. Viens, 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 viens. Ton miracle, tiens, tiens. Ton miracle arrive. Santé, je te... Je vous ai dit que je sens que je peux même plus enseigner là. Je sens que le Saint-Esprit m'amène maintenant dans une dimension de surnaturel, de miracle. Ouais, le miracle, c'est quoi? Israël arrive devant la mer rouge. Il ne sait pas quoi faire. Dieu lui lève seulement la main. Pendant que Moïse lève la main, la mer se sépare en deux. Oh, qui a déjà vu ça? Qui a déjà entendu ça? On nous a prêché dimanche. Les enfants d'Israël traversaient au milieu d'un aquarium naturel. Ils pouvaient observer les requins, les poissons, tout ça dans la mer. Qui a déjà vu ça? Ça, c'est le miracle. Le miracle. Le miracle existe. Je suis venu dire à l'église, le miracle existe. Il y a des gens qui ne croient plus au miracle. Il y en a même qui disent que le miracle était passé. C'est du temps des apôtres. C'est passé. Ça n'existe plus. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le miracle existe. Oh oui, Dieu est capable de tout. Dieu peut tout. Dieu est infiniment grand. Même les cieux ne peuvent pas le contenir. Oh, le miracle existe. Quand je regarde les cieux, je regarde l'univers, je regarde la beauté de l'univers, comment je peux nier que le miracle existe? Quand je suis émerveillé, quand je vais à la plage, quand je regarde l'immensité de la mer, de l'océan, comment puis-je nier qu'il y a un Dieu créateur dans la mer invisible qui se cache derrière ces choses? Le miracle existe. Le jour où tu sais te croire, regarde juste les étoiles. Comme Dieu a dit à Abraham, compte-les si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Regarde la nature et commence à réaliser que le miracle existe. Regarde toi-même la morphologie que tu as. Tu es un miracle propre, vivant. Tu as deux yeux pour voir, tu as un nez pour respirer, tu as deux oreilles pour entendre, tu as une bouche pour parler. Regarde tes beaux cheveux, regarde tes yeux beaux. Regarde ta démarche, regarde comment tu es beau, belle. Tu es un miracle propre. Le miracle existe. Le jour où tu donnes naissance à un enfant vient au monde, tu dis quoi? Un enfant est sorti de moi. Tu donnes naissance à une créature. Bien aimé, c'est l'expression du miracle. Dieu a imprimé le miracle dans la nature. Et au-dessus de la nature, il y a le surnaturel. Des choses que Dieu est capable de faire et d'accomplir sans le secours d'aucun homme. D'où vient le miracle? Le miracle vient de Dieu. Bien aimé, quand je dis comment enfanter le miracle, c'est pas toi qui vas provoquer le miracle. Mais toi, tu seras le canal de la provocation du miracle. Parce que Dieu provoque le miracle. Dieu donne le miracle. Mais il faut une main qui reçoit le miracle. Il faut un instrument qui va amener le surnaturel au naturel. Et c'est toi. C'est toi, je te parle de comment enfanter ton miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu comme miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. On n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes réalités. Mais ce qui est sûr, le miracle, on va tous le voir. Le miracle est-il possible aujourd'hui? Oui. La Bible dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le même qui a ouvert les yeux des aveugles hier, qui a fait lever les paralytiques, c'est le même aujourd'hui, qui est capable d'intervenir dans ta situation. Il dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Le miracle existe. Regarde ton voisin, le miracle existe. Dis-le-lui encore, le miracle existe. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru.
à mon nom, ils chasseront les démons. Je sais qu'il y en a ici qui veulent voir les démons qui bloquent leur vie être chassés. Et tu vas voir ces démons pour eux. Les démons qui bloquent la délivrance de ta famille, tu vas le voir fuir aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Les démons qui te fatiguent, toutes les nuits quand tu dors, visitation, mari de nuit, femme de nuit, attaque, sorcellerie, les serpents qui te poursuivent, les chiens qui t'attaquent, fini. Tu vas commencer maintenant à les poursuivre. Alléluia. Alléluia. Le miracle. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Dans les miracles, je vois la guérison. Es-tu malade? Même si le médecin a dit, cette maladie ne peut être guérie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est capable de te guérir. Je donnais déjà ici mon témoignage par la dernière veillée. J'avais une maladie incurable. J'avais une maladie incurable. Le jour où Jésus m'a visité, il m'a guéri totalement. Oui, totalement. C'est à partir de ce moment qu'il m'a donné ce don de guérison. Une fois même, je l'utilisais plus. Il m'a dit, je te donnais le don de guérison. Pourquoi ne l'utilise pas? Au point où tu pries pour les gens à distance, au téléphone, il y en a qui reçoivent des miracles. Des guérisons. Bien-aimé, c'est réel. Je ne parle pas d'un Dieu de la rue, un Dieu fabriqué. Je parle d'être réel. Alléluia. Alléluia. Qui veut voir le miracle? Qui veut voir le miracle? Oh non! Oh non! Tu es trop calme! Qui veut voir ce miracle? Et les soleils, oh, là j'avance, le célibat, le miracle arrive. Oh, j'ai dépassé l'âge de tomber enceinte. Sarah, elle était une vieille. Doublement ménopausé. Jésus a mis une pause à la ménopause. C'est possible. Ne dis pas c'est fini. Justement, il aime quand on dit c'est fini. Quand c'est fini, c'est-à-dire la médecine ne peut plus rien pour moi. Mais le ciel n'a pas dit son dernier mot. C'est quand je donnerai raison à Jean qui a dit je sais. Tu peux continuer la suite. Je sais que mon rédempteur est et qui se levera le dernier sur la terre. Laisse-les parler avant. On va saluer. Dieu va faire des miracles pour plusieurs raisons. Tu sais pourquoi tu dois fonder les miracles? Un, pour que Dieu donne gloire à son nom. Les miracles glorifient toujours Dieu. Deuxièmement, pour te faire du bien. Tu as trop souffert. Il faut essuyer des larmes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois dire c'est fini mes souffrances. Il doit faire des miracles pour te délivrer de l'empire du diable. Et il veut te donner un témoignage. Quand on parle du témoignage, quel témoignage? Moi! Mais avant le témoignage, il y a un problème. Et c'est le miracle qui résout le problème et qui te donne le témoignage. Tu veux que ton témoignage soit fort? Tu dois aussi expérimenter un miracle puissant, venant de Dieu. Comment forter ce miracle? Je finirai. Quatre points importants, je dirais six points importants à noter avant que nous commencions la prière pour enfanter ce miracle. Si tu veux enfanter ton miracle, premièrement, la situation que tu vis, ton état, va te fatiguer. Tu dois être en colère après ta situation. Il y a des gens qui ne vivent pas les miracles, pourquoi? Parce qu'ils se plaisent dans leur situation. Non. Dis, j'en ai assez. Ça suffit. Il faut que ça change. Maintenant, il faut que ça change. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous aurez le miracle, le repos. Tu veux le miracle? Sois fatigué. Deuxième clé. Pour enfanter son miracle. Tu dois désirer ardemment un changement. Désire du fond de ton cœur que la situation change.
jour soupire après cela, languit après cela. Attends-toi au changement. Et tu vas enfanter ton miracle. Troisième clé, si tu veux enfanter ton miracle, tu dois avoir soif de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui produit les miracles. Il te sera fait selon ta foi ou encore selon ta soif. Ta soif de Dieu déterminera ce que Dieu est capable de t'accorder, de te donner. Car Dieu veut te donner un miracle. Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Et toi, tu dois avoir soif. Vous tous qui avez soif, venez aux sources. Que celui qui a soif, qui boive de l'eau gratuitement. Quatrième clé, il faut demander à Dieu. Tu veux voir le miracle? Le miracle se demande. Ça se demande comment? Par la prière. La prière, tu dois demander à Dieu. Je veux que la situation change. Dieu entend la prière. Dans la prière, tu demandes. Tu supplies à Dieu. Tu fais les requêtes. Tu cherches Dieu intensément. C'est une prière faite avec instance, avec ferveur. Une prière d'enfantement. Une prière sans relâche. Une prière persévérante qui donne naissance à un miracle. C'est une clé. C'est pourquoi Dieu dit demandez et l'on vous donnera. Tu sais pourquoi tu ne reçois pas? Parce que tu ne demandes pas. Demande vraiment, pas une fois. Tant que cela n'est pas arrivé, je continue à demander. Cinquième clé, la foi. C'est avec moi la foi. Tu vas enfanter le miracle, tu dois croire à Dieu. Et la foi veut dire quoi? Ne doute pas. Dieu est capable, ne doute pas. Ne doute pas, il le fera. La foi. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ta foi comme Abraham a eu foi en Dieu. Il a fini par enfanter le fils de la promesse. Sixième point. Sixième clé. Si tu veux enfanter ton miracle, tu dois le déclencher par confession. Tu vas parler. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ceux qui sortent de leur bouche, c'est le contraire de ceux qui déclarent. Tu dois confesser. La foi ne regarde pas l'obstacle qui est devant toi. Dis le contraire. Dis ce que Dieu dit. Dis le cœur de Dieu. Confesse, déclare. Comme Esaïe, Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Dis avec moi, je dois prophétiser. Dis, je dois déclarer. Ne sois plus pessimiste. Pas. Tu vas voir. Et septièmement, pour enfanter le miracle, il y a un facteur important qu'il ne faut jamais oublier. C'est le temps de Dieu. Tu peux enfanter le miracle. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps. Dis avec moi, il y a un temps. La Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps des hommes, c'est le temps qu'on appelle Kairos, ou Chronos. D'accord? Jour, heure, minute, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le temps des hommes. Dans le temps des hommes, dans le calendrier des hommes, les gens peuvent te dire, c'est trop tard. Dieu ne peut plus intervenir. Quelle est ta situation? On dit c'est trop tard, Dieu ne peut plus intervenir. Mais il y a un autre temps qu'on appelle le temps de Dieu, le temps Kairos. Et le temps Kairos nous parle du temps favorable. Le temps favorable, c'est le jour du salut. Le temps favorable, c'est le jour de la visitation. Le temps favorable, c'est le jour où Dieu dit maintenant. Ton heure est venue. Et il me dit de dire à l'église aujourd'hui, ton heure est venue. Église Sainte-Résurrection, ton heure est venue. Oulala, oulala, il y en a qui dorment.
Je dis, Église, cette résurrection, ton heure est venue. Enfant de Dieu, ton heure est venue. Serviteur de Dieu, ton heure est venue. Oh, quand Jésus-Christ est rentré ce jour-là dans la synagogue, on lui donna le rouleau, il le déroula jusqu'à l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé libérer les captifs. » Il m'a envoyé délivrer les opprimés. Il m'a envoyé ouvrir les yeux aux aveugles. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et j'aime la conclusion de Jésus. Il dit aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Il en a dit avec moi aujourd'hui. Plus fort que ça, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. C'est le temps de Dieu. Dis aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps où je dois enfanter mon miracle. Il dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Oh, ça c'est, je bénis le Seigneur pour l'aujourd'hui. Nous sommes entrés dans une autre dimension. Nous sommes rentrés dans une autre phase. Nous sommes rentrés dans une autre ère, dans l'ère de l'exaucement. Il dit au jour, au temps marqué, je t'ai secouru. Au jour du salut, je t'ai exaucé. Voici le jour favorable. Enfant de Dieu, je ne te parle pas de l'année prochaine. Je ne te parle pas du mois de février. Mais je te parle de ce soir. Je te parle de cette nuit. Je te parle de ce jour où il y a un contact entre le ciel et la terre. Je te parle de ce jour où la puissance du Saint-Esprit est relâchée pour enfanter le miracle pour ta vie. Tu as longtemps crié, tu as longtemps versé des larmes, tu as longtemps soupiré, mais le temps de l'exaucement arrive aujourd'hui. Il dit que tu ne seras pas comme Israël qui est passé à côté du temps. Il dit si toi aussi en ce jour qui t'était donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées, elles sont éloignées de toi. Il ne restera pas sur toi, bien sûr, bien qu'il soit renversé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Peuple de Dieu, ceci est un message prophétique pour quelqu'un qui m'entend. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit veut dire à quelqu'un. Que ce que l'Esprit de Dieu veut dire à un homme, à une femme. Que le temps de la visitation divine a sonné pour quelqu'un. Le temps de la libération de ta famille est venu. Les choses ne resteront plus comme autrefois. Le temps où Dieu veut te délivrer des chaînes est arrivé. Le temps où les autels sataniques sont renversés est arrivé. Le temps où ceux qui ont prononcé des malédictions contre ta vie, le temps de la bénédiction arrive. Le temps où Dieu veut détruire les paroles libérées contre ta vie a sonné. Le temps où Dieu veut toucher ton corps est arrivé. Le temps où Dieu veut toucher ton âme est arrivé. Le temps où Dieu veut toucher ton esprit est arrivé. Le temps où Dieu veut dire c'est fini, sortez de la caverne est arrivé. On lui dit, on a posé Lazare dans la tombe, il sent déjà. Jésus dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, ôtez la pierre. Non, il sent déjà. Il dit, ôtez la pierre. Le temps de la résurrection est arrivé. Il dit, aujourd'hui, le temps est arrivé. Ôtez la pierre. Lorsqu'ils ôtent la pierre, Jésus crie d'une voix forte. Il déclare avec le son de sa voix, la voix de l'Éternel qui est puissante, capable de faire enfanter les biches. Il crie, Lazare sort. Et le mort sortit.
Et ce soir, je viens déclarer que tous ceux qui sont captifs dans la mort, que tous ceux qui sont enchaînés dans la mort, que tous ceux qui sont dans la cavité de la mort, le temps de votre libération est arrivé. Sortez!